Si tout se passe bien. Ouais, ça marche. Incroyable. Ok. Yo! Salut! Première personne à qui je parle depuis des mois et des mois, Demon Drive, sur Twitch. Bravo à toi. C'est un honneur. Yo les gars, installez-vous. Stream Element, je me souviens même pas que j'avais un bot. Salut Pumpom. Hertz TLS. Hertz TLS. Salut les gars. Bonsoir. Alors j'attends. Qui sera la première personne qui va prononcer le mot fatidique de la soirée en fait? C'est ça la question. On m'entend bien et tout, ça va? Ah voilà, Mini Cloud, bravo à toi, j'attendais. J'attendais le Tokyo, Tokyo, ok, putain, il n'a pas fallu tout le monde qui va spammer. Donc les gars, je vous dis, c'est le seul jour de l'année où vous avez le droit de m'appeler Tokyo. Voilà, c'est comme ça. Lancement de la série, c'est le seul jour de l'année. Est-ce que j'ai tourné une vidéo? Non, il n'y a pas de... Oh, je sais pas, peut-être, en fait, tout ça, vous ne saurez pas, vous verrez. Ok, Tokyo, yo Tokyo. Ah, pas de spoil, par contre, bande de fous. Go faire la vidéo avec toi, je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'était pas dans les conditions du contrat là, Mini Cloud. Est-ce que j'ai regardé Tokyo? Alors attention, je n'ai jamais regardé la série, même pas un épisode. Je suis la plus grosse imposture des cosplayers du monde, sans doute. Salut les gars. Hey, salut! T'as bien raison, elle est claquée. La violence. La violence. Tu vas faire un truc ou juste parler à... Je sais pas, on verra en fait. C'est au feeling. Quand les switch arts? Franchement, alors je sais que je dis ça à tous les lives en fait, que je dis que c'est bientôt, mais en vrai, c'est vraiment bientôt là. On espère, enfin j'espère les sortir genre fin du mois. On verra, on verra. Mais normalement c'est bientôt. T'as un SEA? T'as un crush sur Kanan, c'est ça? T'as un Orelsan ce soir avec nous. Je suis vraiment touchée là. Très heureuse d'avoir Orelsan. Ce soir. C'est comme ma dernière fois, mais j'ai pas fait de première fois encore. YZ M 59. Pourquoi vous avez tous des pseudos chelous? Vous pouvez vous appeler normalement, genre Richard, je sais pas, Jean-Michel, tu vois, il y a Charles Bonjour par exemple, qui illustre très bien mon propos là. Charles Bonjour, c'est clair, il y a son prénom, il dit bonjour en même temps, donc il n'est pas obligé de saluer après, il le fait dans une autre langue, c'est pas mal. Charles Bonjour, j'aime beaucoup. Putain, il y a un mec, il a Tokyo dans son pseudo, très contextuel, bravo Bubu. J'ai l'impression qu'on est plus nombreux sur le chat que d'habitude là, ça défile beaucoup trop vite pour moi. Donc, je suis un cerveau un petit peu lent en plus. Oh. Mais je viens de dire, j'ai pas. Pourquoi vous me parlez de sexe en fait? Moi je suis vierge. Je suis la pucelle d'Orléans, la pucelle de Paris, sa réincarnation. Donc du coup, je comprends pas que vous dites ça en fait. Pourquoi vous parlez en fait? Je suis juste un. Juste une random Twitch girl qui fait un cosplay à Tokyo là, y a rien de mal en fait. Salut les gars. Ah, quelqu'un a compris la référence plus celle d'Orléans, bravo pour la culture. Putain, c'est Cartman en plus qui a capté la ref. Je suis impressionnée là. Mélange de.
T'as des conseils pour arrêter le porn? Franchement, pourquoi t'es addict? Je sais pas, moi je conseille, tu fais plein de trucs différents, plein de projets différents. Moi quand j'avais un problème avec les jeux vidéo, genre je jouais beaucoup trop, je me suis mis à essayer d'avoir une vie sociale plus élaborée et du coup ça m'a fait arrêter plus rapidement. MDR, il y a un GL, bah bienvenue les GL, je ne vois pas de GL là, je n'ai pas vu, je mea culpa si je n'ai pas vu le GL qui est passé. J'avoue les gars, c'est juste une femme déguisée en Tokyo, hein. C'est juste ça, hein. D'ailleurs, vous pensez quoi du cosplay? Bien ou pas? J'ai même mis les shoes qui vont avec. Pour la street cred. Vous voyez? Style ou pas? En fait, on dirait un pyjama. Quelqu'un leur dit ou pas que leurs costumes sont un peu éclataxes? C'est un peu éclaté au sol, en fait. Si on réfléchit bien, on dirait juste un pyjama rouge, quoi. Donc, voilà. Comme ça, je peux faire ça, prétexte pour mettre des chaussures sur la table. Le style. Toute épreuve. Faut leur dire, on est d'accord, hein. On est d'accord. Il manque le masque, j'en ai un, mais tiens, regarde. Oh, mon masque est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stylé, regarde. C'est pas bien plus stylé. C'est Tokyo Premium Version. Voilà. Avec ce masque. Vous pouvez screen, hein, le style. Je braque comme ça on est sûr on ne me reconnaît pas, tu vois. Là là. Non, clairement pas. La violence. La violence. Pourquoi ce pseudo? Mais je réponds pas à cette question. Tu comprends qu'on me la pose tous les jours de mon existence, donc je ne répondrai pas à cette question. Ouais, c'est un pyjama braqué, ok, mais avec du confort, c'est vrai. Tu peux braquer à l'aise, au KLM. On braque de chez soi, de sa chambre. Voilà, pas de problème. C'est facile à enfiler en fait, en plus. C'est très pratique, très rapide pour les braquages. Comment apprendre rapidement l'anglais? Waouh! Pourquoi tu poses cette question sur mon chat, mec? C'est quoi le truc? Speak anything else besides French. I speak English. And because me llamo Tokyo, hablo un poco de espagnol. Si, si, si. Si, si, si. Cause de vue Benzaï, c'est vous qui l'avez reconnu? Ou c'est lui, en fait on se connaissait déjà tous les deux mutuellement, c'est très bizarre, tous les deux mutuellement, pas un gros pléonasme. Yeah, merci, pom pom. Orange, alors attention, parce que en fait avec les lives précédents, j'ai l'impression d'être un peu daltonienne. C'est du orange pour vous ça? Là vous allez remettre un peu ma vie en question, hein. Peut-être qu'avec les couleurs, on dirait que c'est orange. C'est pas orange. It's not orange, it's red. Oui, rouge, non? Un peu, ok. C'est rouge clair, ok. On peut être d'accord sur la couleur là que je porte? Rouge orangé, j'ai l'impression. Ah, voilà. Quelqu'un d'un peu plus subtil qui dit tout n'est pas noir ou blanc, nous dit le roi Luge, tout est plus nuancé. Donc c'est du rouge orangé, voilà. C'est tranché, merci mon ami. Rouge clair, mais sûrement à cause des lumières. J'adore quand tu poses des questions comme ça très simples, ça passionne tout le monde. Il y a tout le chat qui se met à parler d'un coup. C'est génial. Je devrais poser plus souvent cette question-là. Quelle est la couleur de. Quelle est la couleur de quoi? Tiens, quelle est la couleur? Non, c'est éclaté. J'arrête. On arrête. Coucou les petits loups! Lugia, il arrive, il est chez lui, quoi. Les coucou les petits loups, c'est sa commu, c'est son live, quoi. Il prend ma place, quoi. C'est ça le truc, non? Vous êtes con, quoi, c'est rose. Ah, là, il va falloir voir tout de suite un ophtalmo, je pense, Romain. Désolée de te dire, mais... Petit problème. Merci, Boy du Sud. Très gentil. Salut, comment ça va? Bah, ça va très bien. En vrai, je suis étonnée parce que vous êtes arrivé. Enfin, au début, quand j'ai parlé de Tokyo, tout le monde s'est mis à parler de Tokyo, mais là, personne me dit, oh, Tokyo, Tokyo.
D'habitude, tu vois, je suis habillée normale. Et on me dit tout le temps, t'es Tokyo et tout. Et là, vous le dites pas trop, alors que je suis en cosplay. En fait, j'attends que ça, en fait. J'attends que ça, les gars. Faut m'appeler Tokyo, là, pas Hélène. Soit qu'il s'occupe de l'essence. Merde, j'ai pas compris la règle. Tokyo, waouh! C'est moi, ouais. Je me suis reconvertie dans le Twitch game. Je suis Ursula, en fait. Comment elle s'appelle? Ursula Corbero? Can I speak English as well, just saying, in case there are some lost English speakers. So you can speak in English if you want. You can speak in English. Hablo espagnol. Tokyo, elle parle plein de langues, Tokyo, tu vois. C'est une braqueuse. C'est mes vrais cheveux, ouais, pourquoi? Ça a l'air beaucoup trop beau. Pour être vrai, c'est ouais, c'est mes vrais cheveux, ouais. Tu peux toucher si tu veux. Tu peux. Au quoi? Très au quoi de la. Par hasard, tu serais pas à Tokyo aussi, si c'est moi. C'est exactement moi. Je suis contente qu'on me reconnaisse. Ton fille de base, elle a poil. Elle braque nu, quoi, à Tokyo, quoi. Ok. Ils sont épais. Le mec, il fait une fixette chelou sur mes cheveux. Waouh. T'es fétichiste des cheveux, tu peux nous le dire. On est entre nous, Amine. Oh, trop gentil. Ah, tenue de pompiste. J'avoue qu'il y a un petit côté pompiste là. Un petit peu en mode pompiste new gen. Petit côté pompiste. Bonsoir Hélène. Non, là c'est le jour où il faut m'appeler Tokyo en fait. T'as pas suivi? Hello, ça va très bien. Le train de la hype approche. Ouais. Le train de la hype approche. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc. Je kiffe sentir les cheveux des meufs après leur shampoing. Oui, pourquoi? Mais t'as le droit? Moi aussi, je fais ça. Je fais ça tout le temps après mon shampoing. Pendant au moins 15 minutes à peu près, un truc comme ça, je sens mes cheveux comme ça. Donc je te comprends tout à fait. On partage les mêmes trucs. T'es quand même bien plus bonne que Tokyo. Ça me fait très plaisir, merci. Très, 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 très plaisir. New vidéo when? Soon. Soon. Very, very soon. On ne parle que des trains qui arrivent en retard, mais c'est jamais ceux qui arrivent à l'heure. C'est vrai. Ça, c'est bien vrai. Tchou, 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 le train de la hype. Merci. J'ai des abdos de ouf. C'est. Ah! C'est stock. Non, je me fous pas à poil, les gars. On reste dans les normes de Twitch, mais regardez ça. Bras de fer. Tous en 1v1, je vous prends là. J'ai des abdos, ouais. Plus d'abs que Tokyo elle-même. Trop vite! Oh, merci! En fait, j'ai mis juste cette tenue pour qu'on fasse des remarques sur mes abs. C'était le seul, c'est le prétexte pour faire la chouin. Ah putain, j'arrive pas à me rhabiller. Bon, on reste comme ça du coup. Est-ce que j'ai repris la salle? Mais même pas en plus. En fait, je faisais du sport. Il n'y a pas vraiment de différence entre le moment où j'arrêtais le sport. Du coup, je ne saurais pas te dire. En fait, j'essaie de manger à peu près sain, voilà, c'est ça. Et je fais un peu de danse. Et c'est tout. Mais avant, j'allais à la salle souvent, j'arrêtais. Train de la hype approche. Attention, les gars. Qu'on soit pas en retard pour le train, les gars, quand même. Ne se trouve pas le personnage féminin prénommé comme la ville japonaise Tokyo à présent dans la série Netflix à succès La Casa des Papel. C'est totalement moi. Je suis le personnage féminin prénommé comme la ville japonaise Tokyo, apparaissant dans la série Netflix à succès La Casa des Papel, autrement appelée Money East. Exactement. C'est bien moi. Je suis cette personne. Très heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai pris le temps entre deux braquages pour faire un petit live Twitch au KLM avec mes bros. Donc voilà. Très contente d'être avec vous. Merci pour les abos, les gars. Vous êtes je sais pas, vous êtes quoi? Vous êtes des BG. Des BG, j'hésite tout le temps entre BG et noob pour ceux qui connaissent. Entre les insultes et les compliments. Voilà. Je suis pas très au quoi. C'est pas grave. Hello, how are you today? I'm very good, my friend. What about you, Diamond O'Greek? Yes, I'm good. Dofus? Kezako? Pas compris. Des conseils, beauté, je sais pas.
J'aimerais être une gourou beauté, mais j'ai pas encore le niveau. Tu parles super bien français, après en espagnol, ouais, je sais, ouais. Mais ouais, c'est parce que je vous ai dit, avec mon travail, en fait, je suis obligée de parler plusieurs langues. Comme ça, quand je me fais capturer, bah, je peux parler français, par des français, je peux parler français. C'est toi que j'ai pas du tout vu la série. Je sais pas quoi dire. C'est un peu cramé. Salut les gars. Eh, salut la populace. Donc là, tout le monde dit bonjour à It's Naya Cloud, parce qu'il dit bonjour à tout le monde, en fait. Donc si vous avez un peu de politesse dans le sang, dans les veines, vous lui dites également bonjour, et pas que moi. Voilà, coucou, tout le monde te salue, t'as vu? T'as plein de personnes qui te saluent. C'est beau, non? Está bueno. Un V1 Dofus, je te mange, mais t'as cru quoi, mec? Moi, Dofus, je suis level 300, 340 déjà, là. Farm Dofus. Comment va, baby Yoda et l'aspirateur? Waouh, il y en a qui ont les vieilles rêves, ça me fait plaisir. Bah écoute, l'aspirateur, juste. Attention, n'ayez pas le cœur brisé, ceux qui étaient là à mes anciens lives. Mais l'aspirateur, en vrai, je l'ai mis à la cave, voilà. Donc, désolé, il est plus là en fait. Voilà, je l'ai pas jeté. Parce que, quand même, une petite valeur sentimentale. Mais il est à la cave, voilà. I'm sorry. I'm very, very sorry. Bah, moi, c'est ta. Chut, j'ai pas compris parce que c'est censuré, c'est dommage. J'aimerais savoir ce que tu manges, ça m'intéressait, je suis désolée. Cette censure. Bonsoir, ah. Et Baby Yoda, il est là, bien sûr, Baby Yoda. Alors, c'est comme l'aspi, j'ai hésité à, tu vois, à le donner à un orphelinat et tout, parce qu'il me casse un peu les couilles. Tu vois, il bouffe plein de grenouilles, plein de trucs, il est un peu chelou. Très très chelou, Baby Yoda. Mais finalement, je suis dit que j'allais le garder parce que, bah, il fait des vues en fait. Ce bâtard me fait des vues en fait, tu vois. Tout le monde est intéressé par Baby Yoda, donc je le garde là dans le décor, mais en vrai, il sert à rien ce gars. Ne le répétez pas, hein, mais il sert à rien du tout. Il est naze. Putain, les fous. C'est vraiment des fous. T'as jamais vu Titanic? Bah ouais, en même temps, je suis assez d'accord là, pour le coup, je suis la population qui se fout de ta gueule, je t'avoue que. J'ai pas encore fait le vaccin, je suis une merde, mais par contre, c'est prévu, je suis une grosse flemmarde, donc je l'ai pas encore fait. Et vu que je sors pas tant que ça, du coup je fais juste des tests à chaque fois. Mais voilà, du coup. Will you ever do bass top streams? You know it's possible. Like, my shower is bad, but I'm not against this. If, as long as Twitch authorizes, it's possible. Tu écoutes du Jules. Moi j'écoute tout ce qui existe sur Terre en fait. J'absorbe la musique. Est-ce que quelqu'un a 120 QI ou plus pour faire ce soir? Si j'ai 110 stats, sad, 145. Ouais, y'a qui comme modo là? Signalez-vous en fait. Les modos, je les ai prévus qu'il y avait en live, mais ils s'en battent les couilles, ils sont tous en train de faire leur soirée là de leur côté. Ils sont en mode bas les reins. Ah, y'a Raven, salut Raven. Raven, il a 160 de QI. Attention les gars, faites gaffe, soyez gentils avec lui. Mais moi, modo, ouais, déjà tu parles bien. Pour commencer, ok. Comment tu vérifies? Il faut m'envoyer sur Instagram vos tests de QI que vous avez fait. Voilà, c'est le critère. C'est pas compliqué. Tout le monde a fait un test de QI, bien sûr. Tout le monde a au moins 120. Donc, a priori, pas de problème. Je connais ma communauté. Je sais que vous êtes tous, tu vois, le haut du panier. Des 10 plus, des voilà, 120. Voilà. On travaille à la NASA, on fait plein de trucs ici. Ça, c'est ma communauté, je vous connais. Donc, a priori, pas de problème. Je crois en vous, les gars. Je crois en vous, les gars. 150, c'est trop. Non, ça va, ça va. Je vous dis 120, 150, c'est moyenne basse. Moyenne basse du recrutement pour être modérateur chez moi. Mais non, ça devrait aller, 150, ça passe. Ça passe. 119, non. 150, ouais. Chouchou, train de la hype. Ouais, trop bien, les gars. On fait une petite danse pour le train de la hype. Non, vous dansez pas avec moi? Ça marche pas comme ça? Train de la hype? Le haut du panier, sauf le mec des cheveux. Mais non, mais non. On ne discrimine pas les gens sur leur kink, bien sûr. Pêche en marche noire quand même. Will you make another vid as her online? As Tokyo, you know, bro? I don't know. We will see. We will see, my friend. We will see. I don't know. No kink shaming, ho.
Ta bite a durci de... Non, regarde, il y a la petite tour Eiffel, je sais qu'elle est un peu en train de... Elle est un peu en train de se faire éblouir par mon style là, un peu cachée par mon style la tour Eiffel ce soir. Mais non du coup. C'est mon nom à moi. Et par extension celui de ma team, de mon crew, tu vois, team en marche noire. Mais c'est avant tout mon pseudo. Que des premiers de la classe, t'inquiète pas, je m'inquiète pas, hein, je crois en vous les gars. Quoi, qu'est-ce qu'elle raconte lui ? Canan qui m'emmerde là. Tu sais que je peux me faire une dédicace. Dédicace à Samy AMR. Samy AMR. Putain, je suis obligée de pseudo. J'arrive pas à prononcer. Parce que c'est un peu de ma faute parce que je suis un peu retard. Mais voilà, dédicace. La tour Eiffel en fond, c'est assez classe, effectivement. Alors que ça tournait une vidéo Tokyo. Mais je vous dis pas en fait. On arrête les dédicaces avant que vous mettiez des trucs chelous dedans. Donc j'en fais plus, je vous dis, c'est fini. Le mec, c'est le premier à me l'avoir demandé. Il l'a eu. Bien joué à lui. On dit bravo à Samy. Bravo, Samy. Mais le reste, c'est non, en fait. C'est non. C'est non. Non. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Je regarde des animés. C'est... Je suis vraiment coincée dans une boucle quand je fais des live Twitch. Du coup, on me pose les mêmes questions. Non, pas vraiment, non. C'est très mal, je sais. Je devrais bien plus en regarder, mais non, pas vraiment. T'as déjà été reconnue dans la rue. Plein de fois, en vrai, plein de fois. En vrai, dès que je sors et que je mets pas un masque, je suis reconnue. Quoique, la dernière fois que je suis allée faire des courses, dis-toi, j'avais un sweat, masque, je ressemblais à rien. Et le mec m'a reconnue, je sais pas comment il a fait. Bravo à lui, c'est le fan hardcore. Bravo. Mais oui, ça arrive souvent, du coup, ouais. Live est bouclé, ouais. La classe, ouais. Tu fais autre chose à part les vidéos, c'est mon seul travail. Coucou, comment allez-vous par ici? Ça va très bien, monsieur JL. Je regarde pas de série. J'ai pas le... En vrai, je regarde pas de série, j'ai pas le time. C'est un peu la loose, mais... Ils te disent quoi quand t'es reconnu? En vrai, tu sais, souvent, ils me disent rien. Maintenant, le nouveau truc, c'est juste... Je peux prendre une photo s'il te plaît? Et c'est tout en fait. Ils ne mentionnent pas d'où ils me connaissent ni rien. Ils osent pas en fait amener le sujet. Ils disent juste je te connais, je sais que t'es connu, mais je vais pas dire comment. Du coup, ils me demandent juste souvent un selfie et puis voilà quoi. Et sinon, non, mais ça se passerait bien à chaque fois. Que font les deux autres collaborateurs? Mais de qui parles-tu? La tour Eiffel qui s'illumine. La tour Eiffel magnifique ce soir. On arrête tous notre discussion et on regarde la tour Eiffel qui illumine Paris. Tu. Il est donc 22, et effectivement, bravo, il est 22h. En vrai, faudra refaire les tier list et bonne ambiance. Ouais, carrément, carrément, carrément. Carrément, c'était grave bonne ambiance. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi en marche noire? Déjà, ils se sont déjà posé la question. Moi. En marche noire sans eux, bien sûr. Les gens qui écrivent en marche noire sans eux, c'est un ban direct. Je vous dis juste. Hein. C'est, je balance ça comme ça. Bannissement. Putain, il y a encore les vieilles commandes qu'on avait fait il y a 5 mois. EMN, SO, les marcheurs noirs. C'est trop mignon, c'est émouvant presque. Tu préfères devenir la Tour Eiffel ou une barre de. Pole dance, la tour Eiffel quand même, c'est genre connu par tout le monde, t'as plein de photos de toi partout, genre vraiment t'es en mode Madonna tu vois, tour Eiffel, t'as un des trucs les plus photographiés au monde, donc la tour Eiffel en fait, c'est le style la tour Eiffel, tu vois tout Paris, tu surveilles là comme ça au KLM, t'illumines et tout la ville quoi, moi la tour Eiffel c'est sûr en fait, c'est carrément sûr, barre de pole dance, je sais pas, tu te prends la sueur des meufs, c'est pas ouf à côté de la tour Eiffel. Incroyable, t'as vu? Cosplay jusqu'au bout, hein. Je sais pas pourquoi je fais ça. Pardon, excusez-moi. 1v1 COD, quand tu veux. Je te défonce sur COD quand tu veux, mec. Là, c'est... Y a pas de... Pas de soucis. Aucun souci. C'est trop mignon, parce que lorsque je lui ai dit de parler moins sur le chat pour regarder la tour Eiffel, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un flux de paroles
qui a diminué, c'est vraiment, ça me touche en fait que vous m'écoutiez à ce point. 1v1, lol, non, parce que je suis une puriste d'OTA, donc du coup non. Bras de fer, pareil, comme vous voulez, je vous prends tous. Un par un. Voilà. Très effrayante, oui ça. Premier spoil, c'est kick. Petit kick, gentil. Et par contre, si vous respoilez, c'est ban. Voilà, c'est décidé, en impro comme ça. Clash Royale, non. Non, non. C'est trop terrible, en casa des papels. C'est le nom de la série, mais merci. J'incarne la série tout entière elle-même, tellement j'ai dépassé l'incarnation de Tokyo. Là, je suis devenue carrément la série. Je suis le symbole de la série. D'ailleurs, le directeur de la Casa des Papels et tout, il voulait me prendre et tout pour faire les affiches et tout de la prochaine saison. Mais j'ai dit non, les gars, j'ai plein d'autres trucs à faire. J'ai pas le temps. Je suis désolée, en fait, j'ai d'autres trucs à faire dans la vie. Donc, je leur ai juste dit, moyennant 3 millions d'euros, que j'étais ok pour faire un live Twitch avec la tenue. Parce que voilà, comme ça, quoi, tu vois. Mais non, du coup, non. Pas de. Voilà, je suis pas. Putain, je me fatigue toute seule. De quoi, Hélène, ça veut dire éclat de soleil ou chaleur? Qu'est-ce que c'est? Lumineux. Lumineux, il est très mystique là. Ça fait 2-3 fois que je te lis, t'as des pensées assez mystiques, mon ami, c'est appréciable. Je suis connue dans quoi? Je suis connue dans tout. Je suis la Tour Eiffel en fait. Je suis connue mondialement pour moi-même, pour juste être moi-même en fait. Y a pas besoin d'être connue quelque part en fait. Je suis juste connue en tant qu'Hélène Marche Noire à la Tour Eiffel, voilà. Twitch. Elle est connue pour sa personnalité avant tout, et pas du tout son physique. Moi, c'est la personnalité, les gars. Team personnalité. Pas team, moi, je suis pas une chouin qui se monte comme ça sur les réseaux pour gratter des vues. Non, 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 non. Moi, c'est que la personnalité. Moi, je suis très prude. Tu vois, bonjour Isabella, bah ouais. T'as une très belle personnalité, ouais. J'aime beaucoup ta personnalité, ouais. C'est quand la prochaine une vidéo? Je sais pas, les gars, je sais pas. Je fais du tuto cuisine, ouais. Je suis connue pour mes tutos cuisine. Ouais. Oh, c'est très gentil, merci Prakna. À mot diable, ouais, moi je. Si l'enfer chrétien existe, je suis déjà dedans, effectivement. Excusez-moi. Plus celle d'Orléans, mais en même temps. Tu vois, petit côté. À quand le prochain live cuisine d'ailleurs? Ouais, parce que j'en ai déjà fait plein, c'est vrai, je suis une très excellente cuisinière. Donc pour ceux qui m'ont déjà vu préparer mes plats en direct sur Twitch. Gros skill. C'est moi qui écris vite. J'ai 4 bras. J'ai déjà signifié ça aussi. Et dont 2 bras invisibles, du coup, qui arrivent comme ça par derrière. Voilà. Donc c'est moi qui suis en train d'écrire actuellement. Parce que je suis sur un autre live en même temps. Donc voilà. Beaucoup d'atouts. Et oui, beaucoup d'atouts. Et oui. Beaucoup d'atouts. Et oui, beaucoup d'atouts. Salut Paranoxal. Comment vas-tu? La garde noire, les gardiens noirs, toujours là. Donc, Paranoxal, pour la petite information, il a 160 de QI. Hein, quand on parlait de ça tout à l'heure, les QI de mes modérateurs. 160 de QI. Por favor. Por favor, qué, por favor. Saucisse de Toulouse accompagnée de pommes de terre, c'est bien connu, oui. Pas du tout des pasta box en série. Pas du tout intoxication au pasta box, pas du tout. Tu préfères devenir Madonna ou Rihanna au même âge? Je sais pas, je t'avoue, les deux, je t'avoue que je m'en bats un peu lec. Du coup, je sais pas. Ok, fais quoi là du coup? T'as oublié un mot, non?
Tu veux dire, je fais quoi là du coup? Ou alors tu fais quoi là du coup? Ou on fait quoi? Jamais pizza. Non, 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 non. Moi je mange sain, moi je mange que des fruits et des légumes, quoi. Tu préfères perdre un bras ou une jambe? Je préfère perdre un bras parce que j'adore courir et danser dans les champs nus. Du coup, j'aurais du mal à le faire avec une jambe en moins. Donc voilà, désolée, j'ai l'imagination un peu assez visuelle. Donc désolée de rire toute seule à mes propres blagues. Voilà, c'est un peu pathétique. Mais voilà, du coup, je préfère perdre un bras. Parce que en plus, j'ai dit, j'ai... Attention, combien j'ai de bras? Petit QCM de la soirée, du live de la soirée pour ceux qui suivent mes blagues de merde. Combien j'ai de bras? 4. Bravo. Toujours ça me touche parce que vous vous souvenez de mes trucs de merde que je raconte. Merci, j'ai 4 bras, effectivement. Du coup, il me reste combien de bras? 3 bras, bravo. On sent le QI très élevé dans la room. Donc du coup, ouais, je préfère perdre un bras. Deux visibles, deux invisibles. Donc je pourrais même en perdre un qui est invisible. Donc on s'en balèque en fait de perdre des bras ici. Autre question, s'il vous plaît. Vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. 4 dont 2 invisibles. Point d'exclamation. C'est trop cute, pardon. 2 visibles, 2 invisibles. C'est trop trop mignon, pardon. Tu es né quand? Je dis pas ça. J'ai pas d'âge, moi. Je suis sans âge. Je suis une entité mystique. Lumineux, je suis une entité mystique, tout comme toi. J'ai pas d'âge, tu n'as pas d'âge, nous n'avons pas d'âge. Nous ne vieillissons pas et nous ne rajeunissons pas. Nous sommes immuables dans l'espace-temps. Voilà. Tu préfères parler comme un canard ou marcher comme un pingouin? Putain, c'est quoi cette question de merde? Tu préfères parler comme un canard ou marcher comme un pingouin? Attends, je me projette encore. Je sais pas. Pardon, je sais pas quoi répondre. L'esprit n'a pas d'âge, mais ton corps si. Non, le mien non plus en fait. Là que je t'explique. C'est dur comme question, hein. C'est vraiment très. Il y a des avantages, des inconvénients dans les deux, tu vois. Marcher comme un pingouin, vu que je sors souvent tard le soir, la nuit. Je me dis, tu vois, que la manière de se déplacer comme ça peut faire peur aux gens. Donc c'est un outil de self-defense naturel qui est très utile, très pratique. Et parler comme un canard, c'était ça. Quand je me fais draguer par des mecs, dès que j'ouvre la bouche, tu vois, je peux voir dans leur visage qu'ils vont arrêter de me prendre la tête le reste de la soirée. Donc c'est cool, les deux sont très utiles en fait. C'est des moyens de self-defense. Voilà. Tu préfères rouler toute ta vie en camion ou en voiture sans permis? Ça veut dire quoi en fait? Parce que tu vois, je roule ni en voiture ni en camion de base. Donc est-ce que tu me dis que toute ma vie, le reste de ma vie, je dois être en camion, comme ça, pendant jusqu'à que je meure en fait, je suis coincée dans un camion, voilà, jusqu'à la fin de ma vie. Ou alors est-ce que c'est mes moyens de transport? Parce que dans ce cas, attendez, je réfléchis. Non, du coup, ouais, il faut que tu précises en fait son énoncé. Tu préfères ne plus jamais sortir de chez toi ou ne plus jamais rentrer chez toi? En gros, est-ce que je préfère être à la rue ou être une énorme asociale qui reste coincée chez elle? Je préfère rester chez moi jusqu'à la fin de ma vie, voilà. Hélène, chauffeuse routière sur le périph', ouais, tout à fait. Tu préfères? Je préfère, du coup. C'est voilà. C'est pour qui dans Koh-Lanta? Mais pourquoi vous partez du principe, les gars, que j'ai vos refs? Moi, je ne suis pas Koh-Lanta, en fait. Waouh, ça part. Bien sûr, ça part sur des questions de cul, là. Faut laisser attendre un petit peu. Mais du coup, normalement, vous savez répondre
à cette question à ma place si vous suivez un peu mon ma filmographie filmographie d'actrice, voilà. C'était pour Tenro. Sympa la vue sur la Tour Eiffel. Et ouais, je sais. Grosse chance, hein. Quels sont tes refs? Mais j'ai pas de culture, donc du coup j'ai pas de refs. Je suis un peu... voilà. Ça se limite à la Casa des Papels. Que je n'ai pas vu. Du coup non plus en fait. Tokyo, elle a pas bien comme ça, mec. De quoi tu parles? Tu remets en question mon cosplay à Tokyo? Je suis un peu vexée là. Je suis assez vexée. Que tu joues à des jeux vidéo? Vu que je suis un peu coincée dans une faille spatio-temporelle, je vais encore répondre à cette question. Oui, je joue à des jeux vidéo. Lesquels? C'était pas dans la question, donc je ne répondrai pas à cette question. Combien le loyer de l'appart? Combien le loyer de l'appart? Combien le loyer de l'appart? Lesquels? Mais t'as pas dit lesquels quoi. Donc du coup ça marche pas, fallait que tu dises lesquels jeux vidéo en fait. Fallait tout remettre. Moi je suis un robot en fait. Je suis une IA, si tu me donnes pas l'énoncé clair et précis, je peux pas répondre aux questions. Faut parler de manière très claire, très précise. Ça ne fonctionne pas sinon. Quels sont les jeux vidéo auxquels tu joues? Voilà, ça c'est clair et précis. Du coup, en vrai, j'aime bien tout. J'aime bien les Survival Horror. J'aime bien les FPS. En fait, vous regardez la chaîne YouTube, les Rodifs. Et il y a tout dessus. Il y a tous mes goûts dessus. Voilà. Sauf LOL, on valide pas LOL. LOL, c'était juste comme ça. Voici. Du coup, ça part en FAQ, c'est ça? Il est de combien de ton QI? Bah, j'ai dit qu'on est tous minimum 120. Chez En Marche Noire, chez l'équipe En Marche Noire, ma communauté, tout ça. Donc là, vous êtes tous à 120. C'est la médiane. Non, c'est la moyenne. C'est le minimum. C'est le minimum. Je dis n'importe quoi. Donc moi, vu que j'en plus, je suis En Marche Noire, tu vois, je suis à 350 à peu près de QI là. Voilà. C'est pour ça que j'ai 4 bras aussi. Parce que je suis une entité mystique qui flotte dans les airs. Je suis obligée en fait de faire semblant que je flotte pas dans les airs. Donc je m'assois avec vous pour avoir l'air normal, pour live tweet, tu m'envras, je sais flotter dans les airs. Ouais. C'est un truc que je fais très souvent. La moyenne, c'est 110, pas 120. Je n'ai pas compris quelle vie. Ouh. Mais vous allez pas connaître ma communauté à ma place, les gars. Hein, là, si je vous dis que c'est 120 le minimum, je suis En Marche Noire. Hein. Le stream ou les modos doivent avoir plus de taf. En vrai, ce soir, ça va, je trouve. C'est assez calme. Je t'aime, putain, mais moi aussi, putain. Zilef, marions-nous. Tu vois, je suis une IA, en fait. Donc si l'orthographe n'est pas bon, ça passe pas non plus. Je comprends pas les questions. Bonsoir, jeune femme respectable. Bonsoir, jeune homme respectable. Jeune homme. Alix. T'es rien. Oula, est-ce que t'as déjà... Ne fais pas baisser la moyenne du chat, Patoubeur. Patoubeur. Je viens de voir votre tuteur à la vidéo politique. C'est super, merci. Merci beaucoup. C'est moi, c'est Tokyo d'ailleurs. C'est Tokyo. Je suis une ville. Est-ce que tu fais des VOC avec tes membres Discord? Bah, pas vraiment, je t'avoue. Ça prend un E, pas un E,
Ah mais c'est vraiment devenu du coup la room, hein. Une room correction d'orthographe, je suis désolée que ça faisait ça. Tu sais, je ne trouve pas tes films sur Netflix, je suis dans la Casa des Papel pourtant, dans la nouvelle saison de Casa des Papel, donc je vois pas de quoi tu parles en fait. Bah, elle m'a répondu, je me sens puissant, je te réponds encore, waouh. Waouh. Yo, commandant, on t'attendait, commandant. Très heureuse de t'avoir ce soir, commandant. Tu veux être un animal, lequel serais-tu? Une baleine. Voilà, j'avais déjà répondu à ça en live en fait. Au fait, tu as fait une nouvelle vidéo? On sait pas, on verra. Faut suivre sur les réseaux pour savoir. Un petit 24 heures, ça pourrait être sympa, genre avec des paliers et tout. Non, ouais. Alors j'ai déjà fait sur une autre plateforme que je peux pas mentionner. Non, on l'a pas fait. Si, on l'a fait sur une autre plateforme que je peux pas mentionner ici. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Je vais être un insecte, mais en fait, je déteste les insectes. Donc là, c'est hors de question. Si tu me dis que je suis un insecte, je glisse sous la chaussure de quelqu'un pour go suicide mode en fait. Y a pas de. Je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Je suis Tokyo moi. Je fais des braquages. Je sais pas quoi vous parlez. Je braque. What the fuck? Oh non, j'ai l'impression de courir des esprits purs là. Ça braque. Est-ce que l'écologie est un sujet qui t'intéresse? Je t'avoue, pas spécialement. Si réponse honnête. Pas en particulier, non. Hello from Japan. Hello Yuki. My name is Tokyo. Do you have the reference of the cosplay? Tokyo. Style de ouf, hein. Do you have the reference, my friends? Je reviens les BG, 2 secondes. Un petit instant, les amis.
Bonsoir. On m'entend ou pas? Ah ouais, y'a le son. Team innocent, parce qu'on est tous innocents ici. Gros, le parma, il s'est passé quoi? Ah, ça part en couille quand je suis pas là, hein. Les souris dansent là, j'ai capté. Pour être pote, toi et moi, j'en suis convaincue, mais merci, merci de te proposer dans ma team en tant qu'ami. Team Rocket, Team UMN, c'est pas la Team Rocket ici, c'est bien meilleur, bien 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 meilleur les gars. Stop posting on Reddit, yeah it's a bit true but... Je bug. L'IA est un peu bugué des fois. Yeah, I got ya. Attends, mais la streameuse me dit quelque chose. C'est marrant, je sais plus où je l'ai vue, pourtant je suis jamais sur Twitch. Je sais pas où tu m'as vu non plus, hein. Ça, je sais pas du tout, hein. Je sais pas. Non, je sais pas. Si Casa de Papel, la nouvelle saison. Je suis l'actrice principale de cette saison. Bonsoir tout le monde. Salut Botch. Botch. Ça fait ch'ti un peu ton pseudo. Elle ne répondra pas, ce n'est pas le sujet. À quelle question? On ne répond pas. On ne parle pas à ma place, oh. Tu sais quoi, mon jus de fruits, c'est... C'est pas multivitamine, ça devrait l'être, parce que je manque de vitamines. Comme vous voyez, j'ai la peau un petit peu pas très bronzée, on dirait. Mais ouais. Comment va Roman? Ah ouais, carrément, quoi. Bah, il va bien. Ça va jouer à quoi? Mais qui dit que je suis gameuse? Je suis peut-être pas gameuse, en fait. Donc voilà. Attendez, les gars, 2 secondes, je regarde un truc. Attendez les noobs. C'est toi la noob, c'est vous les noobs. Je suis la seule à pouvoir vous insulter de noob ici. Donc question sérieuse, c'est quoi ton style? Comment ça, c'est quoi mon style? Style de quoi? Je comprends rien à vos questions, je suis complètement teubée ce soir, je crois. Je suis complètement... bête. Tu écoutes quel style de musique? J'écoute de tout, je vous ai dit tout à l'heure, j'absorbe tous les styles musicaux, c'est comme ça que je m'en nourris en fait, donc j'écoute tout style de musique, moi. Pourquoi elle répond pas? Pourquoi elle répond pas? C'est comme quand t'es dans les eaux, tu sais, tu es en mode pourquoi il bouge pas le serpent là? Jusqu'à ce que la vitre disparaisse et que tu te retrouves nez à nez avec l'anaconda. C'est pas ouf. Qui a la rêve? C'est pour quand la prochaine, je sais pas. Bientôt soon. Tu la rêves, moi, HP Harry Potter. Ils sont fiers de. Ils sont tout fiers d'avoir la rêve. Que des grosses rêves culturelles ici.
Je m'en dis. Éclaté au sol, ta ref. Non, c'est pas vrai. Mais ce n'était pas la bonne ref. 128, c'est pas pour rien, ouais. Je vois rien, non, moi je... Vu que tu es célèbre, tu peux essayer d'avoir une PlayStation 5, mais en fait, j'essaye déjà d'en avoir une pour moi. Et après, on verra, on discutera. Je suis hors d'un braquage, oui. Comment tu le sais? Je braque à visage découvert, mais oui, je sors d'un braquage. Totalement, ouais. Est-ce que j'arrive à vous lire d'ici? La Casa des Papels. Ça va, j'arrive à lire. C'est pas trop compliqué. Après, il y a moyen des games avec les followers, tu sais, pour tisser des liens. Ouais, mais j'en ai déjà fait en plus. Dans des vieux lives. C'est trop gentil, merci à Batcha. Sur des travaux de peinture, c'est pas moi qui ai choisi la tenue. C'est El Profesor qui a choisi la tenue, donc ouais. Pas de travaux de peinture, braquage total. J'aimerais bien en faire son métier, tu parles du braquage, hein, c'est ça, on est d'accord? J'aimerais que tu viennes faire la peinture à la maison. J'ai dit que je ne peignais pas. Je suis désolée. Très jolie montre, je sais, on me fait la remarque à chaque fois. El Profesor. C'est pas ça le nom du gars, hein, que ça lui appelle? El Profesor. C'est une Rolex, ouais, c'est le nouveau modèle des Rolex. C'est un truc exclusif qui n'est pas encore sorti. Et vu que je suis famous, tu vois, je fais des partenariats avec Rolex pour ma montre incroyable. Je suis chanteuse, ouais, je suis chanteuse. Peintre, chanteur, actrice de boule. Ah, toi aussi, c'est pas lire l'heure avec les aiguilles, ouais. Regarde, carrément, l'heure, elle clignote chez moi. Tu joues dans un film de pétanque, quoi. Troisième choix et le bon. Non, non, je suis à braqueuse. Pourquoi tu pars? Quel est ton Télétobis? Tintin. Je connais pas les noms, je suis désolée. I'm sorry, I don't know the name. I'm sorry, bro. Sorry, bro. Sorry, bro. Pardon. J'ai pas tous tes rêves, Sirius. Can I understand French? It's okay, I can speak English. Tu connais la galère du Crous? Oui, j'étais boursière. J'étais étudiante. Le Crous. Priviet. Priviet. Qui a trouvé le nom en marche noire? Et quelle en est la signification? C'est interdit cette question en fait, parce que j'ai déjà répondu trop souvent. Donc c'est interdit de poser cette question maintenant. C'est terminé. Priviet, camarade. Priviet. Interdiction. Salut. Thibaut. SLT. Salut. Je suis
pleure par rapport au premier Love. Ah, mais c'est sensuel, Pascal. Tout s'explique. Je comprenais pas le sens de ta phrase, mais là, je vois. C'est toi, Miss Univers, non? M'arrêter en fait, t'es gentil comme ça. Qu'on fasse du porno toute ta vie, ouais, à 70, je ferai encore du porno. Sûr. Non, pas toute ma vie. Non. Le max de temps possible, jusqu'à ce que mon corps ne parte pas trop en couille, et après, on verra. On verra. Thank you, merci Scott. Scott le King, merci Scott. Bienvenue aux viewers de Scott le King, son nouveau pseudo, il s'appelle comme ça son marron. Scott le plus beau, carrément. Scott le plus beau, Scott le King. Scott, c'est le plus. Voilà, c'est le plus beau. Ah ouais, c'est vraiment le plus beau. C'est des malades, c'est ta commu qui t'appelle comme ça ou c'est quoi le délire? Scott le plus beau, waouh! Scott le sublime, le meilleur. C'est pas vraiment coué. C'est le meilleur Scott! Scott, il est incroyable! Ouais. T'as vu mon équipe? Que du numéro 10 dans ma team! J'ai vu, bravo à toi. Ça paye bien, non, en vrai ça paye pas de ouf. T'es obligé de faire plein de trucs à côté. C'est qui Scott? T'arrives un peu en retard là. Tu connais pas Scott? Le fameux Scott? À quand une nouvelle vidéo sur Tokyo, sur la ville? Je crois qu'il y aura un reportage qui va sortir dans pas longtemps sur France TV. Je t'invite à aller s'abonner au réseau de France TV pour la sortie de ce reportage. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre à côté de toi? Bah oui, il y a Marc là, juste là. De quoi tu parles, mec? Il y a Marc. Salut Nissit. Bien le bonsoir, Nissit. Arte ou France TV? France TV. Prochaine vidéo Tokyo sur France TV. N'était. Bonjour, quel est le programme de ce soir cordialement? Bonjour, il n'y a pas de programme ce soir cordialement. Marc, bonjour. Bonjour Marc. Ça part totalement en couille, ce live n'a aucun sens. Je ne comprends rien à ce que je dis, à ce que mes viewers disent. C'est magnifique. Marc, ouais, Marc. Pourquoi il y a quasiment que du sexe oral dans la vidéo? Est-ce que j'adore sucer, en fait? Faudrait te poser la question, en fait. J'adore sucer, en fait. Voilà pourquoi. C'est tout simple. C'est bien plus 18, hein, le live. Sinon, là, on part un peu trop en couille. Un pouet cote, ça, hein, là, le truc. Comme ça, la prochaine fois qu'on me pose la question. C'est un clip tu tout fait pour vous, les gars. Je vous invite à aller le faire. Les mecs, tout d'un coup, ils ont une piqûre de rappel que je suis une actrice de cul, en fait. Là, ça fait... Oh. Y a que des majeurs, y a que des 120 à cul ici. Tout le monde le sait, ok. Je peux pas me faire ban pour ça, ouais. Son chat, c'est insane, ça a l'air horrible à suivre, mais en vrai, le chat est particulièrement actif ce soir en plus, ça le pire. Best chat de tout Twitch game, ma commu c'est la best de toute façon, cœur survolé. C'est du jus de poire. Alors, c'est du jus de pomme et fleurs de sureau, voilà. Des ingrédients aussi, on a un peu de vitamine C. 8 pommes pressées, d'accord. 97,5% de pommes. Donc là, c'est vraiment plus du jus de pomme. Si on en croit les statistiques de cette bouteille. Et on a quand même
pas mal de vitamine C, voilà, parce qu'on est une grosse fragile. On s'est empressé de créer le clip, quoi. Ça, je pense, c'est le clip du Twitch de l'année, quoi. De Twitch Friends. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec l'accent anglais, mais c'est pas grave. Ça, le secret pour être... Ouais, c'est le secret pour... Ouais, je sais pas. Pardon. Je sais pas trop, en fait. Ok. Gros sein, ta Hélène, what? Je connais d'autres actrices, acteurs. J'ai l'air si associable que ça quand même. Oui, je connais d'autres actrices, acteurs. De... Oui. Oui. C'est pareil, t'as pas dit lesquels dans la question, mais vu que je suis une IA, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, je suis beaucoup de trucs, hein. Bah, je peux pas répondre à ta question, fallait dire est-ce que tu connais d'autres actrices, acteurs? Si oui, lesquelles, s'il te plaît, peux-tu répondre? Parce que l'IA, elle veut que tu sois... Putain, il y a plein de moustiques. L'IA, elle veut que tu sois poli. Aussi, donc... Manu, il te recommande sur ses Twitch, en tout cas, il te recommande, c'est-à-dire... Il parle de moi sur Twitch, ça me fait plaisir. Moi, c'est quand il veut un feat tu Manu. Il est emmerdé par une mouche, oui, parce que je suis une IA très réaliste, en fait. Tu as déjà bossé avec Manu? Non, non. Ah, c'est très gentil. De sa part. Je joue à Plasmophobia? Non. Attends, les gars, c'est horrible. Il y a Mélène, là, à côté. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi il y a plein d'insectes. Il y a tous les insectes qui sont en train de se suicider sur les LED de mon live, en fait. C'est horrible. Je sais pas, j'ai l'impression de faire un génocide d'insectes là en direct, c'est atroce. Je fais des vidéos avec d'autres actrices en fait. J'en ai fait plusieurs si vous suivez un peu le délire. Je regarde pas de pornographie, juste des délires. Bah, c'est très gentil. Sache que je kiffe le fait que tu assumes ce que tu fais en live. Je fais une émission qui s'appelle Dis-nous tout. Tu voudrais bien participer? Bah pourquoi pas, on discute. Tu m'envoies un message sur Instagram, si t'as Instagram, ou Twitter, si t'es pas effrayé par ce que je vais avoir sur Twitter. Tu peux, pardon. Et mais ouais. Je suis pas en trouble. Vous les voyez les ancêtres qui passent devant moi ou pas là? C'est le même pseudo partout, en marche noire, partout. Partout, partout. 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 C'est partout. Tu as déjà fait de la... Comédie, théâtre. Non, mais figure-toi qu'on m'a approché il y a pas longtemps pour tourner dans une... C'est quoi, c'est une série. Du coup, j'ai fait j'ai envoyé mes trucs pour le casting. On verra. On verra. Si Dieu le veut, je serai peut-être la future Marion Cotillard de France, les gars. On sait pas. Hein. Talent d'actrice caché en moi. Je sais plus c'est quoi mon groupe sanguin. Pourquoi, Paul? Félicitations, eh bien, merci les amis. Je roule les BG, 2 secondes. Un instant, s'il vous plaît. Waouh, vous avez vu là, la mouche qui passe? Waouh, vous avez vu la mouche qui passe? C'est intéressant, hein, le live, on parle de mouche, quoi. Meilleur live de tout le Twitch game, quoi.
Parce que je suis au moins et que tu es le sang. Pardon, j'ai niqué ta blague, je t'ai pas demandé pourquoi en fait. Tu m'as dit, est-ce que t'es au moins et il fallait que je dise non, pourquoi? Le porno, ça mène à tout, exact, exact, exact. Magnifique les mouches, ouais, c'est en live mouche ce soir. Quelle est ta profession principale? Est-ce que le jus d'ananas change vraiment le goût du sperme? Mais d'où tu sors ça de ton cerveau, mec? D'où ça sort ce délire? D'où ça sort? TikTok! Et Louise qui sort de nulle part, qui sort juste un TikTok. Ça marche que avec les personnes qui ont perdu leur clan. Les gars, avec tous les mouches qui volent autour de moi, on devrait faire un live ASMR mouche là, je crois. ASMR mouche, non? Vous validez pas le concept? Moi j'aime bien. Hein, on tenterait une mouche volée. Si, vous aimez bien. Je capture les mouches et je les mets dans ma main comme ça. Je vous les fais écouter. Ce sera un live. Début du live, ce sera en mode Pokémon. On essaie de capturer les mouches ensemble dans mon appart. Et après, ça part un peu en mode psycho, quoi. Je mets les mouches dans ma main et je vous les fais comme ça. Pendant 3 heures. Près 3 heures, c'est le temps qu'il faut. Bzz, bzz, bzz. Mais c'est pas déjà en mode psycho là, ça clash pas trop. Pas du tout, je suis très normale, très sensée comme personne. J'étais très calme, je suis très calme pour l'instant. Très calme ce soir. On voit la dame de fer. Ouais. Qui est ici. Ah! Quel mongol, j'arrive pas. Quand la fiatule. J'ai pas compris le mot. On peut pas parler de ça ici, mon ami. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Come on, let's bzzz together. Je regarderai le replay pour voir ce que ça donne en fait.
La meuf est relou, une puissance. C'est quoi? Pourquoi je vais être déçue? C'est pas réaliste? Je sais pas imiter la mouche? C'est hyper triste de pas savoir imiter une mouche quand même. Je suis assez vexée là de ta remarque quoi. J'ai vraiment l'impression. Je pensais que j'avais un avenir en tant que qu'actrice actrice mouche. Actrice mouche, voilà. On peut avoir tous les talents, ouais. Clin d'œil, Denis. C'est vrai. Faire une émoticône mouche. On dirait plus un oiseau, mais de quoi un oiseau? T'entends beaucoup d'oiseaux qui font ça? C'est un bruit d'oiseau, ça, pour toi? Ils habitent tous tes oiseaux, en fait. Ah, putain, mais vos questions, les gars. Bah, un oiseau sous Covid, un oiseau Covidé, non plus en fait, c'est pas possible en fait. Pourquoi ça ferait ça? C'est très bizarre. Salut LP75. Je suis la Casa des Papels, mais en fait, comme je l'ai dit, je suis une grosse imposteuse. Si ça se dit imposteuse, je sais pas. Donc j'ai jamais regardé un seul épisode de la Casa des Papels, amigo. Je suis désolée. Tu peux en subscribe tout de suite, te désabonner. Je suis vraiment désolée. La déception, je sais. Une suite prévue à la vidéo Tokyo Casa des Papels. Voilà ma réponse. Là même, t'as rien raté. En fait, je suis désolée, mais beaucoup de gens me disent ça. Du coup, je suis désolée. Comment tu t'appelles? Super Seb, voilà. Seb, on va dire. Mais ouais, tout le monde me dit que c'est éclataxe. Du coup, je regarde pas. Ça me donne pas envie. Du coup, je fais juste des cosplays pour faire genre surfer sur le truc. Mais non, en fait, on regarde pas. C'est surcoté. Is Kanan Turkish? This is a big meme. Yes. She is. She is Turkish, yes. Pourquoi j'ai pris du coca en fait? Je suis une grosse débile en fait. Attends. Innocent Forever, les gars. Team Sponsor Innocent, vu qu'on a plus Red Bull maintenant. Vu qu'on arrête de prendre des trucs qui bousillent trop le cerveau. Salut, Para Plus. Team Sucre à fond, quoi. Non, Team Fruits, en fait. Team 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Je fais mon quota. Je sais que c'est pas bon, en vrai, d'en boire trop, mais. Attends mec, j'ai enlevé le coca pour mettre ça. Et tu dis team sucre à fond. Qu'est pas ça, amigo, qu'est pas ça. Ils sont pas là, c'est devenu des mecs du coup. Elles sont pas là, non. Il faut simplement ne pas abuser de Red Bull. Sinon ça t'explose le cerveau, nous dit docteur Pumpom. Pompom qui a un doctorat spécialisé dans une thèse sur l'affect du Red Bull, ses effets sur le cerveau. Tu vas refaire des mèches blondes, franchement, mec, je suis désolée, mais non. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas prévu. Vraiment, vraiment, vraiment pas prévu. Canel, c'est un nom de fille en fait. Pardon, mec. Il est minuit, c'est pas vrai. Putain, je me suis fait avoir, je regardais l'heure.
qui s'est fait avoir aussi par Butu 80. Il est 1h du matin, les gars, d'ailleurs, il n'est pas minuit. Aucun rapport, vous avez une réponse de Kim Glo. Non, mais j'espérais trop en fait. Je voulais qu'il y ait un fight avec Kim Glo sur les réseaux sociaux, ça aurait été trop drôle. Non, elle a rien répondu, je suis déçue. Elle a rien dit du tout. Je suis passée en pro, de quoi parles-tu? Soyo. Waouh, le flou. Je suis en décalage horaire. Non, il est minuit. Il est 1h du mat, je veux dire. Pourquoi? C'est passé quoi? En fait, j'ai fait une interview dans Brut et la go, elle m'a clashé. En mode, c'est indécent d'être une chouin. Voilà. Ça sortait de la bouche de Kim Glo, donc c'était marrant. Du coup, j'ai répondu sur je sais plus quoi sur Insta. Mais bon, c'est pas allé plus loin, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais c'était marrant. Regardez, je crois qu'il y a la story sur Instagram. J'ai dû mettre ça en story dans un truc quelque part. Pour les curieux. Instagram en marche au noir. Petite pub au passage. Hein. Merde, je suis en train de niquer mon make-up, les gars. C'était culotté, ouais, je suis d'accord, c'était très culotté de sa part. Sur quel Instagram en marche au noir? Tu as clashé avec Kim, ah ouais, validation pour avoir la street cred celebrity famous Kim Glo. Sa part en live make-up, pourquoi pas en fait. Si vous voulez les gars, je vais me remake-up. Pas drôle si. J'ai rien capté, Christophe. De quoi tu parles, Chris? Chris, mon ami Chris. Faut que tu t'inquiètes, je pense, raton. Je suis désolée là. Il y a un problème là, je crois. De quoi tu parles, mec? Super Seb. Si j'essaie de make-up en utilisant la réflexion du live Twitch, là, en version miroitée, ça risque de partir en couille, non? Je voulais faire ça comme ça. Ah, ça marche pas. Hein. Ça donne pas des bons résultats. Ça va, ma tête en gros plan, vous aimez bien ou... Je sais qui est EMN, mais je sais pas du tout qui est Kim. Ça, c'est bien, Alto, ça. On aime ça. Merci, Alto. Je me sens famous de ouf là. Tu connais Rare Porn? Oui, je connais Rare Porn, pourquoi? Pourquoi cette question? Avec le smile là derrière. Pourquoi tu montes ça? Hello, Pasmirali Pogaga. Une question comme, d'accord. Oh, c'est hyper chelou. Ok. Blep, blep. I'm from Italy. Hello from Paris. Paris, you can see the Eiffel Tower in the background. You can barely see it. Oh, you can see it now. It's shining. À chaque fois que je parle de la tour Eiffel, elle se met à briller. C'est pas magnifique, cette espèce de synchronisation qu'on a, elle et moi. Je pense qu'on est vraiment connectés là.
Dédicace à Sébastien. What the fuck, trop stylé la tour. Quel enthousiasme, t'as vu? Ça s'appelle la tour Eiffel, si tu connais. Je plaisante, hein. Je clash. Petit clash, les gars. Merci beaucoup, Pragnor. Très bonne soirée. Tu fais quoi de tes journées? Bah, je me maquille comme ça. Je le fais maintenant. C'est mon activité principale dans la vie. Deux secondes, les bêches, voilà. Bonsoir. Tu connais Never Say Yes? Non. Qui est cette charmante personne que je ne connais pas? D'ailleurs, ça va être l'heure du tuto make-up. Vos crayons, les gars. Alors, le seul truc que je sais faire niveau make-up, c'est mettre de l'eyeliner. Je suis désolée. Du coup, ça va pas être super loin, mais c'est un bon tuto pour débutants, en fait. Ce que je fais en make-up. J'ai une vraie question. Si vous voulez faire majoritairement des vidéos fellation sur EMN. Et là, les mecs qui sont hyper talentueux, qui sont au taquet, ils sortent le lien du clip de tout à l'heure. Voilà ce qui se passe. Ça grince la chaise. Tu trouves ça grince? Comment ça grince? Bonjour from Écosse. Hello from Paris, ici c'est Paris les gars. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. En fait, personne m'a fait la remarque pourquoi j'ai des lunettes de soleil sur la tête. Je suis assez surprise. Je vous avoue. Ah putain, à l'extérieur, le mec. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec la cam? Il se souvient des dates précises de nos tweets et tout. C'est un petit peu flippant. Je veux pas te... C'est un peu flippant, quand même. le 11 mai. Du coup, le tweet du 11 mai. Oui, je pense qu'on avait trouvé ce qu'il fallait. On les connaît, les lunettes, c'est pour ça. Mais en vrai, là, il y a une petite variation. Normalement, d'habitude, je mets des lunettes rondes. Et là, je mets des lunettes comme ça. Donc c'est différent. Elles sont un peu plus éclatées, je crois. Mais ça va, ça passe. Bah de rien, de rien. Non, non, je te taquinais, hein, monsieur Terrien. C'était une blague. Je troll. Tout le monde prend mes trucs au premier degré. Faut vraiment pas, les gars. Toulouse, non. Il y a longtemps, très longtemps. Bonsoir, le pro, le boss. Il y avait longtemps, ouais. Ça fait des mois là, je crois. Hein. C'est le premier live depuis, je sais pas, 4 mois, un bail comme ça. Strasbourg. On peut faire toutes les villes de France si vous voulez, hein. Est-ce que je suis déjà allée à Strasbourg? Je crois que je suis passée comme ça par Strasbourg. Du coup, vous allez voir à quel point j'ai peu voyagé dans ma vie quand même. Rouen, oui. Nantes, oui. Pau, non. Ah putain, waouh, ça me passionne le sujet. Les villes dans lesquelles je suis allée, quoi. Ouais, Matrix. J'ai la rêve pas trop compliquée, Lambert. Amsterdam, non. Biarritz, non. Quel jeu incroyable, Epic Gamer, en sueur.
Merci. Minute. Merci. Ah, vous avez entendu là? ASMR hockey crack, c'est pas ouf non plus, on va pas faire ça. Il est claqué ce cœur. Vas-y, comment tu parles de mon cœur, toi? Critique pas en fait. Ça va pas ou quoi? La bouteille d'innocent. Ouais, mais vous êtes fou avec les bouteilles d'innocent. Mais en plus, elle est partie. C'est quoi ce. T'as un délai de 1 heure à peu près? Sortir de Paris, bah non, 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 non. Bonsoir, bonsoir, c'est ici qu'on discute. Ouais, c'est là que nous discutons. Éthylos, bien sûr, bienvenue. Exact. Dessine un cœur sur le tien. Non. J'ai pas de skill, je suis pas dessiné de cœur, je vais le faire que avec mes mains comme ça. Donc, Une heure 6, vraiment j'ai cru qu'il était. À chaque fois je me fais avoir, je sais pas du tout que c'était ça, mais il est 23h06, c'était pas pour faire flipper les gens sur l'heure. Chez nous et toi, waouh, très bizarre. T'es étrange, Christophe. Étrange. Tu as fait quoi ces derniers mois? Mais en fait, faut me suivre sur les réseaux en fait. Comme ça, tu serais déjà au courant de ce que j'ai fait. Voilà la réponse. Bon les gars, en vrai, je vais vous laisser. C'était cool, petit live, 1h30. Ça m'a fait plaisir, ça faisait un bail. Si t'as pas de réseaux sociaux, ben tu fais comme tout le monde, comme tous les gens de ta génération, et tu te crées tout de suite un compte Instagram et un compte Twitter. Pour être au courant de l'activité de tes amis. Je vais peut-être revenir pendant la night, ça c'est sûr. Donc, follow les BG. Et puis, je vous dirai, voilà. Plein de trucs prévus sur Twitch de toute façon. Je ne vous oublie pas, Twitch. Twitch. Et puis voilà, c'était sympa. C'était sympa. Avant de partir, qu'est-ce qu'il y a avant de partir, Boy du Sud? Tu n'as pas peur des moustiques? Non. Moi, je t'ai dit, j'utilise mes LED pour tuer tous les insectes de mon appart. Donc, Instagram en marche noire. Et puis, il y a YouTube pour les rediffs. Je mettrai la rediff là, de ce petit live. Et voilà. Merci, les gars. Peut-être que je reviens dans la net. Tu vas voir si je suis déter. Bisous. N'oubliez pas de follow pour avoir un notif. Un dab, bien sûr. Et voilà, je vous kiffe les gars. Bisous. Salut, salut. Tchuss.